Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale en compagnie à distance, sans sa voix de Walleouf. Walleouf, on a déjà présenté dans une vidéo précédente, il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait gagné le tournoi 1000 personnes de Farce Attack, il avait un deck ballon, ça a fait des dégâts. Il a un deck cimetière aujourd'hui, à base d'une cabane au centre. Vous allez voir, il y a pas mal de decks qui sont articulés un petit peu comme ça, avec la cabane au centre, le golem de glace, machin, tout ça. Là, on va voir comment ça se passe, qu'on a l'impression qu'il n'y a pas hyper d'agressivité dans ce deck, si ce n'est, j'ai envie de dire, le cimetière boule de feu. Mais vous allez voir que enfin, ça peut être très surprenant. Un deck 3.5 qui aime bien les decks pas trop chers. Donc voili voilou. Sinon, petite précision comme d'hab, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne. Le petit bouton s'abonner, la petite clochette si vous n'avez pas été désabonné. A priori, les bugs ne sont toujours pas corrigés du côté de YouTube. Ça commence à traîner tout ça. Mais bon, on fait avec. On lui donne le petit go. Et c'est parti, on va regarder ça, on va regarder ça, alors on va regarder ça, tac, peut-être, alors attendez, juste le deck, on l'a bien vu, voilà, 3.5, c'est tout ce qu'il faut, il n'est pas connecté, s'il se connecte, c'est bon, normalement, il n'y a pas besoin de faire une coupure, parce que je l'avais en ligne il y a 2 secondes, voilà, c'est parti, allez, voilà, assez parlé, on y va, il va jouer contre je ne sais pas qui du clan Héroi, marrant ça, pseudo un peu chinoisant là, et avec Héroi, ok, peut-être ça veut dire... Peut-être ça veut dire BFA en japonais. Ça veut dire BFA et roi, je ne sais pas. Non, ça se fait trop narcissique. Il a sa petite cabane, alors regardez, la petite cabane il l'a mis en position géant royal, j'ai envie de dire. S'il met un cran au-dessus, le géant royal pourrait taper à distance après le truc. S'il a été en dessous là, ça va. Par contre, il est position cochon, cochon qui vient de la droite, je crois que ça va pas sur la cabane. Voilà. Si je dis pas de bêtises, hein. Des tests que j'avais fait à l'époque. Enfin à l'époque, quelle époque? Enfin souvent même. Parce que je souvent utilisé. Attention, alors voilà ici. Ici, il y a un petit push sympathique de sa part et qui va faire une bonne défense, logiquement, contre ses barbares d'élite. Voilà, peut-être une méga ringouille qui le saoule un peu. Il a toujours sa petite habitude d'envoyer sa méga ringouille de très loin sur le côté gauche. Il a été obligé de zapper ici pour pas prendre trop de dégâts. Il prendra un seul coup du barbare d'élite. Il est bien, c'est parti, on enchaîne. Ah, voilà, là, vous avez vu la caméra, il a monté d'un cran. Donc là logiquement voilà, ça va être détourné partout. Donc c'est juste en cas de géant royal ça peut être relou. Mais bon a priori pour l'instant pas de géant royal. On sait pas trop ce qu'il y a d'ailleurs. On peut imaginer un... Ah bah il y a du ballon. Il y a du ballon. On peut imaginer quoi d'autre avec, je sais pas. Molos, je vois pas trop parce que... Ah si peut-être hein, ça pourrait aussi être Molos. Mais bon je sais pas, il y a 2 cartes qu'il a pas dévoilées. Quoi qu'il y a du poison. Il est un peu chelou son deck, enfin je sais pas. C'est un deck pas forcément standard. Pour l'instant c'est bien défendu. Mais il a perdu sa cabane qui coûte un peu cher. Bon, fait avec. Et on va attendre que ça se positionne tout ça pour avoir une petite agression, bien sûr, au cimetière. Alors attention, peut-être là sûrement le golem de glace qui devrait arriver à mi-chemin. Oui, non, le voici. Et là, peut-être, voilà, le cimetière, c'est parti. Donc ça joue comme ça, en fait. Voilà, tac. Là, il y a une petite défense au archer, donc logiquement, boule de feu peut-être aussi, s'il peut. Là, ça ne se fait pas, donc non. Ce sera peut-être pas pour ce coup-là. Mais sinon, il va y avoir besoin dans pas mal de cas de figure de boule de feu. La def qui veut gérer le cimetière. Alors là, il gère pas trop mal le ballon. Il y a un archer qui croule, mais ça va. Ça tient bien. C'est juste la cabane qui va tomber. Ouais, là, elle va tomber. Ouf, plus de cabane. Ok. Une petite game difficile pour commencer. Serré. Donc on va voir, pour l'instant l'élection il est bien, là il va pouvoir enchaîner, là voilà la boule de feu maintenant qui arrive, hop là, plus d'archer, du coup ça met, ah ça met un tout petit peu de dégâts, ça met un tout petit peu de dégâts, par contre ça a pas mal géré un des deux barbares d'élite, ça c'est plutôt bénef, la suite de la défense se fait maintenant avec ces deux barbares, voilà, il doit pouvoir, ah, peut-être petits archers, je ne sais pas, non petit zap, ok. Il tient bon et il réenchaîne. Donc là par contre, plus agressif, c'est parti tout de suite. Voilà, le pré-shot boule de feu, tac, sur les archères. Et là, ça commence à faire mal avec ce golem de glace. Et oui, là ça a fait très mal. Ah là oui, là, il a fait très très mal. Donc là, il est bien, il est à une boule de feu, logiquement, je crois, 272 PV. On va voir, attention, extra time, ne pas perdre contre ce ballon. Voilà. Voyons voir, 4, peut-être qu'il a les 4, il envoie boule de feu, je sais pas, oui boule de feu, c'est bon, elle est partie, boum. Allez hop là, c'est fini. GG, belle première game. Un peu serré, mais non, ça va, dans l'ensemble, ça en est bien tiré, c'est costaud, c'est solide. Ça réenchaîne. Donc vous avez vu un peu la mécanique, hein. Bon la cabane de barbare toujours au centre, qui envoie ses petits spawns de barbare. Et puis l'idée c'est de comboter golem de glace avec le cimetière et envoyer la boule de feu
pour clean, ce qui va faire obstacle à votre cimetière. Et voilà quoi, puis le reste c'est plutôt de la def, les petits archers sont plutôt en def. Après s'il revient en contre avec un golem de glace, c'est tout bénef pour avoir en plus ça sur en push sur la tour. Mais sinon voilà, c'est pas obligatoire, donc là par exemple, peut-être. Sauf que là il y a quand même un bouliste, donc je pense pas qu'il va le jouer maintenant son cimetière. Voilà, donc là ça va être un coup tout doux là. Voilà, va juste falloir gérer gentiment. Ah voilà, il l'envoie de l'autre côté. Ah intéressant, voilà, donc ça passe pas, il l'envoie de l'autre côté, il tente, hop. Là par contre, voilà, il a mis un coup de zap. Attention par contre sur la gauche, il y a quand même pas mal de monde. Eh, lui aussi il se prend un cimetière, il se prend un peu un équivalent avec le golem de glace justement. Héhé. Très intéressant ce coup là. Là il va prendre un petit peu tarif. Voilà, avec ce boulis qui a mis masse dégâts aussi. Et ouais, ça a fait tomber. Donc intéressant, maintenant il a découvert. Bien joué effectivement. C'est bien joué en face. Alors on va regarder. Il y a un peu la même logique hein. Mais c'est vrai qu'on a, on a vu pas mal de decks aussi comme ça, un petit peu bouliste, cimetière, voire des fois avec le gel, cimetière gel. Bon, en général, effectivement, on va avoir un cimetière gel ou un cimetière boule de feu. Et pas forcément après la cabane, effectivement, la cabane qui vient rajouter ses petits spawns et puis qui en même temps peut permettre une petite défense intéressante, hormis, hormis cimetière, parce qu'effectivement, là, on n'a pas pouvoir beaucoup défendre le cimetière, cette cabane de barbare et le bouliste en face qui est assez gênant aussi. Voilà, donc ça, c'est pas la carte, voilà, donc il y a un peu counter en face. Voilà, la petite bûche qui accompagne ici, hop là, jusqu'en haut pour lui laisser faire des dégâts. Il s'est fait contrer un petit peu avec le zap, il met quelques coups, ça gratte gentiment, il a pris 300 PV. C'est ça de prix. Voilà, à gauche, faut juste que ça tienne bon. Là, a priori, ça tient bon. La défense est bonne. Donc, pas d'intérêt pour l'instant de mettre un cimetière du côté de son adversaire. Voilà, très bien. Il a plutôt joué la défense. Allez, il va pouvoir mettre une autre cabane. Temporiser. Alors, en face, on a vu qu'un zap en sort. Il y a sûrement une carte mystère. C'est possible que ce soit... Je sais pas. Je sais pas encore ce que ça peut être. Est-ce que ça peut être un gel? Est-ce qu'il aurait peut-être joué avant logiquement? Là, on la découvre pas. Il défend bien avec les archers. Ah, fléchette, c'était fléchette. Ok, intéressant. Intéressant, mais ça contre pas là, les archers et les. Et la méga gargouille, donc bon. Un match très serré encore une fois, dis donc. Et on est bien tombé. Hop là, ça zappe. Il tient bon, il envoie. Ouh, s'il pouvait le descendre un tout petit peu plus. Alors là, ça va être un peu décisif, hein, parce que s'il réussit pas bien cette défense à fond, il risque de la perdre. Donc ça va vraiment dépendre de cette défense. Voilà, là pour l'instant, ça va. Il a pas pris un PV. Ah, là, il en a pris. Et non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a mis une gargouille. Vite, faut la gérer. Il la gère avec, voilà, avec le golem de glace. Il n'y a pas le choix, il peut pas descendre plus que ça. Quoique, il envoie son cimetière là-bas. La boule de feu qui est passée aussi. 230 PV, 163. Ah, il comptait bien. Est-ce que ça met un peu plus de dégâts? Oui, ça passe avec le zap. Ouh, tout juste, mais c'est passé. Très belle game. 2-0. Il tient bon, Walouf. Hein. Il est bien chaud ce garçon. Allez, c'est parti. Troisième game. Go, go, go. On joue un petit 4-0 là. Ça ferait plaisir. Alors, voyons voir. Voyons voir. En tout cas, c'était intéressant. On a pu voir un petit peu la mécanique. Donc. Face à un cimetière aussi. Ça a été bien géré. La petite gargouille. Tranquillement. Voilà. Golem de glace. J'imagine qu'il n'y a peut-être pas la cabane en main de départ. Alors ça fait plutôt l'agression avec le trio. Méga gargouille, golem de glace et cimetière. Qui a fait un tout petit peu de dégâts. C'est toujours bon à prendre. Ces petits 300 PV. Voilà. Attention au contre maintenant. Il y a du monde. Ah là, ça va être chaud ça. Avec deux archers seulement. Ouf. Va prendre quelques coups. Attention, la méga gargouille. Qu'est-ce qu'il a? Il a enfin sa méga gargouille recyclée. Voilà, pour défendre. Donc là, il a pris un petit peu plus de coups. Je pense qu'il avait une main de départ qui était moyenne. Donc, il n'avait pas. Voilà, sa cabane qui devrait. Alors, je sais pas si. Non, il la joue pas maintenant. Pas trop d'intérêt. Va se faire défoncer effectivement par la mousquetaire. Là peut-être maintenant une fois qu'il y a golem de glace, à voir. Avec les petits barbares justement qui peuvent venir prendre le relais. Comme ça la cabane n'est pas touchée. Effectivement c'est finement joué. Ça passe, ça la préserve. C'est important qu'elle dure longtemps cette cabane. Alors en face, méga gargouille qui clean. Là ça peut être rien. Si ça suffit avec la tourelle, je ne crois pas. Donc ça va être les petits archers qui prennent la relève. Pour la clean, encore une fois, ne pas qu'elle touche cette cabane.
Voilà. Et là, il a beaucoup d'élixir. Sa cabane est en place. Le cimetière se met là. Et même deux petits archers derrière pour tirer. Qui n'ont pas l'aggro de la tour. C'est très bien. C'est pour ça que c'est bûché. Et même zappé. Donc, l'adversaire a bien compris ça. Il voulait pas prendre les dégâts sur l'arrière. Pendant que le cimetière faisait diversion. Là, ça devrait suffire, je pense. Ces deux barbares avec cette méga gargouille plus le golem de glace. Là, méga héros et méga héros, ça va être un clean des deux. Voilà, il n'y a plus personne. Non, pas encore. Ah non, elle dure. Ah, elle dure un petit peu. Ok, il est full. Il peut remettre sa cabane. Alors, il y a un golem en face. Donc ça, ça peut se gérer. Ça peut se gérer. Faut voir maintenant si... Est-ce qu'il va garder l'agression en touchant sur ce côté-là? Ou est-ce qu'il va faire un coup de Trafalgar en passant sur la droite? Sait-on jamais. Voyons voir comment il réagit. La boule de feu sur la mousquetaire pour essayer de la clean. Peut-être une bûche qui va arriver. Voilà. Plus de mousquetaire. Là, il doit défendre aussi à droite. Donc ça va être de la full def. Donc après, bon, l'autre, il n'y a plus rien derrière. Vu qu'il a mis déjà le golem et tout ce qu'il faut à droite. Donc, pas de souci. Si cette défense est clean, c'est bon pour lui. Et il va pouvoir partir avec un contre. Ouh, d'autant plus que l'autre doit se mettre un extracteur. C'est tendu d'avoir fait ça. Vu que ça attaque au cimetière. Et ouais, et ça va lui coûter très très cher, je pense. Très très cher. Il avait dépensé beaucoup sur le push précédent. Il dépense encore sur un extracteur. 356 PV. Il y a bûche, zap, boule de feu pour terminer tout ça. Il peut la jouer full sort. Hein. Vu que là, le golem est très lent. Donc ça va être boule de feu. Un petit zap, une bûche. Voilà, une bûche et un zap. Et c'est ça, voilà. Très intéressant, hein, aussi ce trio de sorts là, quand une fois que la défense est installée, qu'il y a le temps là, ça fait des belles finitions. 3-0, dernière game, il est parti. J'aime bien, hein. Ça me plaît bien ça comme deck ça. Ça me plaît pas mal, un deck... Alors, il y a deux légendes, alors c'est vrai que je vous invite à regarder la vidéo précédente où on avait fait sur lui, qu'il y avait un deck ballon sans légendaire. Donc pour ceux qui n'ont aucune légendaire, c'est bien de prendre le deck précédent. Pour ceux qui ont le cimetière et la bûche, franchement... ce deck est vraiment fiable. De ce que je vois en tout cas, c'est assez robuste. Même s'il y a des games un petit peu serrés parfois, quand même. C'est... Non, ça me paraît du bon ça. Le sorcier électrique. Alors, avez-vous eu tous votre sorcier électrique? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Vous en êtes où? Parce que Chansus était avec vous pour les retardataires qui n'auraient pas eu en défi. Ou attention à ce push. Attention à ce push qui va mettre des dégâts. Ça va descendre peut-être à 1000 ça. Hein. Ouais, 948 même. Eh ouais, là ça a fait bien mal. Ce cochon et sorcier électrique, dur à gérer avec un golem de glace et deux archers. Alors attention, en plus une princesse ici maintenant qui va clean les archers. Hop, y a plus. C'est fini. Les barbares aussi, là, qui vont se faire clean. Ouais, très bonne position de la princesse, là, qui clean parfaitement bien. Et là, le contre qui arrive. Voilà, bon, la bûchée. Très bien sur la princesse aussi et les barbares. Le golem de glace qui se met bien. Voilà, il empêche de toucher sa caserne. Il y aura peut-être un coup. Non, même pas. Bien joué. Très fin ça. Hein. Voilà, et c'est parti. Et tout de suite le contre. Avec. Voilà, le cimetière. Ah, petit esprit de glace qui défend pas mal sur la méga gargouille. Ça s'est bien joué. Il a eu très peur des dégâts de la méga gargouille en face. Donc ça joue bien. Hein. En face, ça joue quand même très bien. Et là, il y a peut-être un cochon qui va arriver. Vu qu'il y a fin de vie. De la cabane. Et oui, il arrive dans cette fin de vie. Il prend des coups. Et ouais, là, il a joué peut-être un chouïa trop tôt en face. Tant mieux pour Walouf. Qui va se prendre juste un coup de sens. Non, même pas. Oh, nickel. Il est toujours à 948. Donc, il est bien. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer en défense, là? La cabane, très bien positionnée avec le golem de glace. Parfait. Ça clean. Il va peut-être mettre deux archers. Non, ce serait la bûche qui ne... Oui, qui prend la princesse sur le coin. Du talon. Par contre, la cabane qui va tomber ici. Mais au moins, ça sera quand même malgré tout une bonne défense. Attention au cochon qui risque de venir. Eh ouais, une game très chaude. Ah là 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 là. Attention, le cochon. Ouh, boule de feu ici. Le cochon qui passe mais ne mettra pas de coups. Très bien joué, la princesse qui saoule un peu. Clairement là. Oh là là, elle s'est fait bûcher. Essayer de... Ah non, la méga gargouille qui avait déjà pris les coups de la tourelle. Et il va pas y avoir de quoi renchaîner boule de feu sur ce sorcier qui a fait une bonne défense sur le cimetière. Mais pour l'instant, il a trouvé quand même la bonne défense sur ce cochon. Et donc là, il le tient. Il tient bien. Il tient bon. 870, là, il s'est pris juste un petit coup. Supplémentaire au sort. Là, il est full élixir. S'il peut placer un golem de glace, je crois qu'il n'en a pas. Donc il va placer une cabane.
ça va jouer à EDF. Il y a un temps additionnel quand même de 2.46, donc on a vraiment le temps d'aller faire quelque chose. En tout cas, il maintient, il a une bonne défense. Il a boule de feu avant. Il n'a pas encore ce qu'il faut pour envoyer l'artillerie. Voilà, maintenant peut-être. Allez, c'est parti. Il va sûrement se manger. Ouh, là, c'est bon. Là, il a pas son... Ah si, le sens électrique arrive, mais très tard chez l'autre. Oh, a-t-il recyclé la boule de feu? Oui, il a recyclé la boule de feu. Ça peut faire très mal. Ça peut se finir maintenant. Quelques petits squelettes. 555 PV. Il n'est pas encore au triple sort du finish. Il faudra encore un petit push. D'abord, il faut d'abord bien réussir les défenses. Voilà. Attention. Le cochon qui arrive aussi, en plus des barbares d'élite. Ouh, là, ça fait du monde, tout ça. Ça tient bon. Ça tient très, très bon. Oh là là, c'est magnifique. Et là, tout de suite, le cimetière, s'il commence à faire des dégâts, ça sera bon. Voilà, boule de feu. Eh oui, là, je pense que bûche zappée, ça passe. Eh oui, non, même pas, sans ça, même ça passe. Nickel, GG, ça sera le 4-0. Il est bien, hein, ce deck, hein. Donne envie. Bon, après, le joueur, il le joue magnifiquement bien, ça, c'est sûr. Mais, ah, j'aime bien le style, là. J'ai bien aimé les défenses robustes, les contres. Et c'est... Ah ouais, ouais, non, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. On le remercie grandement. N'hésitez pas à checker son Twitter. J'ai oublié de vous le dire en intro, je vous le dis au moins en outro. Son Twitter en description de vidéo. Allez le follow, ce cher ami, très sympathique. Allez rejoindre le Discord. Pardon, prenez carrément le Discord qui est en bas, là. Clash Royale France, comme ça vous nous rejoignez avec tout le monde, les top players, les youtubeurs, les machins et tout, la grosse famille. Ça va être très sympathique. A très bientôt les amis, ciao ciao.